exhorter nos enfants sur un message que le prophète avait prêché, message qu'il avait intitulé "Être conduit". Eh, il avait prêché le 31 octobre 1965. Dans ce message, le prophète montrait que Dieu compare ses enfants aux brebis. Ce sont des brebis. Les enfants de Dieu sont des brebis. Nous avons montré aux petits enfants que Dieu n'a pas que des petits-enfants. Pour Dieu d'ailleurs, il n'a pas de petits-enfants, il n'a pas de grands-enfants. Dieu, tous, que ce soit un petit, que ce soit un adolescent, que ce soit un adulte, même nous, nous les parents, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant que tel, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous compare à des brebis, nous devons être conduits, nous devons avoir un conducteur, un berger. Les brebis ont des bergers comme conducteurs. Et Frère Banham a dit, une brebis qui se conduit elle-même va s'égarer. Et nous avions lu, dans ce message même, nous avions lu que euh, Dieu voudrait vraiment que ses enfants soient conduits. Il dit ceci, dans le message, être conduit, le message même. Nous avions lu ça aux enfants, nous répétons, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, qui peuvent nous suivre. Hein, C'est une petite exhortation. Nous résumons juste. Alors, nous avions lu au paragraphe 24, où frère Barnabé dit :« Nous devons être conduits. » Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. Et savez-vous que qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même Elle va s'éloigner du chemin et s'égarer. Elle ne peut tout simplement pas se diriger elle-même. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduise. C'est le berger qui est censé conduire les brebis. Or ça, ça s'est passé à l'époque du, du Seigneur Jésus. C'était lui le bon berger qui conduisait des brebis. Et dans ce message, euh, le prophète avait pris comme passage biblique qu'il avait lu, l'avait lu dans euh, Marc 10, à partir du 17e verset, où il parlait du jeune homme riche des jeunes hommes riches qui avaient eu l'occasion d'entrer en contact avec le bon berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et bien qu'il était riche, ce jeune homme-là, mais il sentait toujours en lui qu'il lui manquait quelque chose. Il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle, mais il avait des richesses de ce monde. Il avait des parents riches, il avait une bonne éducation, il, il était là. Alors, quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il lui a posé la question. Bon maître, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux Et je lis cela. Hein, donc c'est dans Marc 10, 10, du 17e verset au 22e. Nous avions lu ça, je le relis rapidement. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à, ses genoux, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus Léon regardait les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Car il avait des grands biens. Vous voyez, il avait l'occasion de faire son choix, d'aller vendre tous ses biens pour suivre Jésus. Et tout ce que, comme nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 6, on a vu que pour Dieu, le commandement qu'il avait donné à ses enfants, il devait, les enfants de Dieu, les croyants, les chrétiens, ils doivent aimer Dieu de tout leur cœur, avec toutes leurs pensées, avec tout ce qu'ils ont, avec toutes leurs forces. Donc Dieu doit occuper la première place. Mais ce jeune homme riche, il avait tellement aimé ses biens qu'il trouvait difficulté, difficile d'aller les vendre de nos pauvres et de revenir suivre Jésus. Alors il avait rejeté cette offre-là, comme beaucoup de gens abandonne le Seigneur à cause des choses de ce monde, les richesses de ce monde, les biens éphémères, les biens qui, 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 qui périssent au lieu d'avoir un trésor caché au ciel et les gens aiment ça c'est pourquoi la Bible dit même dans Proverbe, là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Vous allez voir quelqu'un tellement il aime ses biens, son cœur est là. Il ne dort même pas, il ne fait que penser à l'argent, fait... ça vous êtes un idolâtre. Tout c'est qui aime Dieu plus que... Qui aime ses biens, les richesses, toute autre chose plus que Dieu, c'est un idolâtre. C'est ce qu'on voit cet enfant-là, c'est ce jeune homme riche. Il est allé triste, il n'a pas voulu obéir à la parole de Dieu, il n'a pas voulu faire son choix pour le Seigneur Jésus-Christ. Et un peu plus loin dans la parole, le, le prophète dit que ce jeune homme a tellement évolué. Il a eu beaucoup de biens. Il parle de lui dans Luc 12, du 16e au 21e verset. Ça, c'est Frère Barnabé qui parle de ce jeune homme-là. Il dit, qu'il a tellement évolué, il a progressé au point où il pouvait dire, mais j'ai beaucoup de biens. Maintenant, je ne sais où mettre mes, 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 mes biens. Mes greniers ne suffisent pas. Je vais construire d'autres greniers. Comme ça, j'aurai de la paix, mon âme va se reposer, tout ça. Et Dieu lui a dit, insensé, ton âme te sera, te sera redemandée aujourd'hui. Et pendant qu'il s'était enrichi comme ça, il ne s'occupait même pas des riches. C'est là que Frébin même rapproche, il dit que c'est le même jeune homme riche là qui est devenu un mauvais riche, qui ne pouvait pas s'occuper des pauvres. Lazare venait, il pouvait même manger les miettes qui tombaient de sa table. Et quand il est mort, il a été enseveli, Lazare est aussi mort, il est allé au ciel. Et dans les séjours des morts, là c'est dans Luc 16, c'est toujours Frère Manon qui parle, les jeunes hommes riches étaient là, il était déjà vieux, il était en enfer, il criait, il criait, Père, Père Abraham, envoie Lazare, s'il peut plonger même le doigt dans, dans l'eau et me, me rafraîchir un peu la gorge, parce que je souffre cruellement. Vous voyez donc nous avons montré aux enfants qu'il faut faire le choix il y a d'autres enfants qui avaient fait des bons choix il y a des enfants comme moïse moïse il a il a vous connaissez l'histoire de moïse il a grandi il est allé en égypte et finalement il a fait le choix au lieu d'être un grand pharaon il a dit non je vais m'identifier à ces peuples de dieu je vais m'identifier à ces esclaves et plus tard vous vous connaissez la fin de moïse vous voyez, c'était un bon un, un serviteur de Dieu. Il a accompli sa, sa mission. Il a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Dieu l'a utilisé. Vous voyez, il y a des enfants. J'ai parlé aussi de, de Daniel. Daniel qui pouvait se retrouver à Babylone. Ils étaient allés avec ses trois amis. Des bons enfants. Mais ils se sont retrouvés à l'étranger. Et là, à l'étranger, ils ont gardé leur foi. Daniel priait toujours trois fois par jour. Il était là, malgré tout. Vous voyez, il, n il ne sait pas, euh, il n'a pas fait de compromis, il n'a pas imité les, les, les Babyloniens, il n'a pas agi comme les Babyloniens. Lui a gardé sa foi. C'est là que j'ai montré les enfants, là où ils vont, que ce soit au marché, que ce soit n'importe où, ils doivent se comporter comme des enfants de Dieu. Et nous avons aussi montré aux enfants que depuis notre tendre enfance, nous avons toujours été conduits. L'enfant, son premier conducteur, c'est sa mère d'abord. C'est la mère qui éduque, qui encadre l'enfant. Un bébé là-bas, la maman l'éduque. Hein? Comment il faut se comporter. Parfois, maman peut donner des petites fessées à l'enfant. C'est l'éducation qui commence déjà. Et puis, le papa, il éduque l'enfant dans la maison. Dès qu'il a 4 ans, 5 ans, les parents le confient au maître. Que ce soit à la maternelle, que ce soit l'école primaire, et les maîtres commencent à apprendre à l'enfant comment parler, comment lire, comment écrire, aux humanités, tout ça. Et finalement, l'enfant arrive à l'école, à l'école des dimanches ou bien à l'église. C'est là qu'il apprend sur Dieu. Notre école traditionnelle ici, on n'enseigne plus la Bible, on n'enseigne pas sur Dieu. Vous voyez, il n'y a même plus la Bible dans des écoles. Alors l'enfant... C'est à l'église où il va prendre sur Dieu. Et là, le pasteur va conduire cet enfant à avoir un véritable conducteur. Le véritable conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui sera avec l'enfant partout. Quand cet enfant reçoit le Saint-Esprit, donc il peut se retrouver avec Jésus partout. Et Jésus va l'amener jusqu'au ciel. Donc c'est ça, ce que nous avons montré, être conduit, il faut avoir le vrai conducteur. Les autres, ils nous aident bien sûr, Jusqu'à ce que nous aurons à rencontrer le véritable conducteur Comme le jeune homme riche qu'il avait rencontré Qui avait rejeté Jésus Il avait été encadré aussi par ses parents Il avait été encadré par les, 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 les professeurs, les enseignants Mais quand il est arrivé maintenant à faire son choix sur le vrai conducteur Lui a rejeté cela Alors il faut que les enfants apprennent Dès maintenant qu'ils sachent qu'il y a un conducteur invéritable C'est le Seigneur Jésus Christ C'est lui qui sera avec vous N'importe où, même au moment de la mort, c'est lui qui va vous tendre la main et vous faire traverser les jardins. Voilà l'exhortation que nous avons donnée aux enfants en ce jour de fête pour les enfants.